recevez déjà ça dans une boîte comme ceci. Donc voilà, après vous allez trouver en fait dedans cette petite carte que moi j'ai enlevée parce que je l'ai comme ça fait un petit bout de temps. Donc voilà cette petite carte là, donc avec un petit message de l'équipe de Sonia et son équipe, donc de l'équipe d'Autour du Foulard, et derrière les conseils d'entretien. Donc c'est ça, c'est vraiment pratique pour savoir entretenir vos foulards et vos écharpes. Voilà, ensuite donc, vous recevez ça comme ceci dans la petite boîte. Et voilà, moi le voile en fait que j'ai commandé, voilà, il est vraiment vraiment joli. Donc c'est de la soie, 100% soie. Donc et celui-ci, c'est il fait partie de la gamme perlée. Donc ce sont vraiment des toutes mini perles comme ceci, collées en fait sur le voile. Et vous en avez aussi un peu sur la bordure. Alors, donc moi j'ai mis ça un peu pour cacher mon cou parce que j'ai pas mis de col roulé. Vous mettez donc un bandeau comme ceci. Et vu que la matière est quand même assez transparente, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt de mettre en fait un, comment on appelle ça, vous savez, un cache-cou en fait, qui se vend avec ces bandes, les bandes comme ceci. Donc c'est vraiment, ça s'appelle un cache-cou ou un cache-col, enfin voilà, noir, pour le mettre en dessous pour qu'on ne puisse pas voir, parce que c'est vraiment, c'est transparent, mais c'est joli l'effet transparent est joli. Donc voilà, je vous montre un peu sa grandeur, donc il est vraiment large. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est vraiment large. Et la longueur est vraiment bien aussi. Donc en fait, il est aussi perlé au milieu, au niveau du voile, comme ceci. Et par là. Voilà. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter donc un tuto un peu à la Khaliji, un peu à la voile du Moyen-Orient. Vu que ce modèle de ce genre de motif là, c'est vraiment voilà, un motif que moi j'ai vu sur plusieurs femmes du Moyen-Orient. Alors je viens donc le poser sur ma tête avec, on va dire, un tiers et deux tiers de l'autre côté, comme ceci. Donc là, la déco, j'en ai pas besoin au-dessus de la tête, donc je la cache au-dessus, comme ceci, en dessous en fait, comme ceci. Je prends une pince sécurité comme celle-ci. Et je vais en fait pincer mon voile juste derrière la tête. En faisant bien attention de bien cacher les oreilles. De toute façon, elles seront déjà cachées avec le bandeau. Donc je pince en arrière. Voilà. Hop. Donc je ramène ce petit bout ici. Et je le pince. Donc je le pince en dessous de mon voile. J'essaie de le pincer à ma bande en fait. Voilà. Et donc le reste du voile, donc en fait c'est cette déco là qui va venir embellir en fait mon hijab. Je viens faire donc un joli effet ici et je tourne donc la bande comme ceci. Je prends une petite pince. Donc je le laisse un tout petit peu ample comme, si sur, comme ça sur le côté. Et je viens pincer ici. J'enlève en fait en dessous. Vous allez voir ce que ça donne. Vous pouvez le porter comme ceci avec la déco en fait qui pend de ce côté là,
Et vous avez une autre alternative, c'est venir en fait ouvrir le voile comme ceci, comme j'ai fait moi sur un de mes précédents tutos. Donc j'enlève la pince qui est ici et je viens en fait juste l'ouvrir sur ma tête comme ceci. Et le pincer pour pas qu'il tombe. Bon, vous voyez, ça descend en fait derrière comme ceci et vous avez la déco sur les côtés. Je viens juste encore le sécuriser ici. Et voilà. Voilà mes jolies, j'espère que ce tuto voile vous a plu. Voilà, de toute façon vous trouverez tous les voiles que Autour du Foulard propose sur le site. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-moi les sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir les jolies.